Tout simplement, la distance, c'est la distance que tu mets avec ton sujet. En photographie de rue, à New York, mais partout en réalité, si on commence à pratiquer la photographie de rue, on s'intéresse aux gens et on peut avoir tendance, quand on débute, à être loin des gens, à avoir peur de se rapprocher. C'est essentiel de trouver sa distance, de trouver quelle est la bonne distance avec ses sujets pour avoir plus d'empathie. Quand on s'approche des gens, ça donne plus d'empathie dans les photos, ça donne plus d'émotion, ça permet de raconter plus de choses. Et donc, les premières choses qu'on fait, c'est essayer de trouver la distance avec laquelle on est à l'aise. Si on est toujours loin, eh ben on perd en réalité 80% des photos uniquement parce qu'on ne s'est pas approché et on ne s'est pas donné cette possibilité. Donc l'idée, ce n'est pas forcément toujours de se mettre dans le nez des gens. C'est possible, mais ce n'est pas toujours ce qui est recommandé. Bon, en tout cas, à minima, de commencer à s'approcher, voilà, pour trouver la distance avec laquelle on est à l'aise et essayer les distances. Quelque chose que je recommande souvent, c'est d'avoir une focale fixe et de travailler sur une heure, deux heures ou une journée entière avec une focale fixe. Si on a trop l'habitude de mettre des coups de zoom pour s'approcher, eh bien en réalité, voilà, on est toujours à une longue distance. Hein. C'est vraiment une distance, une proximité avec les gens, au-delà de l'appareil. Il y a trois focales classiques en photographie de rue, le 28 mm, le 35 mm, le 50 mm, c'est la référence plein format. Le but, c'est de pousser les gens à se rapprocher, à être, voilà, à interagir, à parler, à dialoguer éventuellement. Particulièrement si on débute, d'être plus à l'aise à interagir avec les gens et à aller photographier les gens et à aller photographier les siens. La photographie de rue, c'est d'abord photographier les gens, c'est photographier la vie dans la rue. Et la photographie de rue, en réalité, ça se photographie pas que dans la rue, pas que dans les grandes villes, pas que à New York. Ça se photographie partout, mais ce sont d'abord les gens. Et c'est pour ça que, pour moi, la photographie de rue contient toutes les photographies. Le principal problème en photographie de rue, quand on veut photographier des gens, quand on veut photographier des scènes réalistes qui se passent dans la rue, c'est cette peur de s'approcher. Et parce que ça va donner les meilleures photos, et c'est aussi, on n'a pas envie de déranger les gens, on n'a pas envie... éventuellement d'avoir une mauvaise réaction. Cette peur, en réalité, c'est un signal. Des millions de photos qu'on voit dans la rue, ici à New York ou à Paris ou n'importe où, il y a des millions de possibilités. Il faut arriver à comprendre que quand on a peur d'aller faire une photo, quand on se dit « oh là là, j'ose pas, j'y vais pas », pourquoi est-ce qu'on a ça? En réalité, parce qu'on a vu quelque chose d'intéressant. La peur est le signal que j'ai vu quelque chose qui m'intéresse. Et en réalité, quand on réalise que cette peur, c'est le signal qu'on a vu quelque chose d'intéressant, bah, ça devient un radar à bonne photo. Ce radar, il est personnel parce que bah, chacun va avoir peur de faire une photo ou d'aller photographier quelqu'un ou une autre pour des raisons qui lui appartiennent. Mais en réalité, ça se passe d'abord dans nos têtes. Parce qu'il y a une réalité, c'est que si on est amical, sympathique et qu'on va dialoguer avec les gens, 99% des photos, ça se passera bien. Et les situations difficiles, elles existent, mais elles seront très rares. Cette peur doit déclencher d'aller faire une photo ou d'aller faire une séquence de photos. Alors déjà, je pense que photographier les gens, c'est une bonne manière parce que chacun va être intéressé par des personnages différents, par des types de photos différentes, et par des scènes différentes, donc ne serait-ce que par le choix de ce qu'on va photographier, ça indique du photographe bah, de ce qui l'intéresse et de ce qu'il a envie de montrer ou de ce qu'il a envie de photographier. Déjà, c'est une première manière originale. Ensuite, il y a aussi, plus on va connaître le lieu, plus on va s'y habituer, plus on va trouver des manières originales de photographier. Donc ça, une manière originale, c'est beaucoup photographier un endroit. Commencer par faire les classiques et ensuite chercher des compositions qui soient original, personnel, nouvelle. En photographie de rue, mais dans toute photographie, on se projette. Ce qu'on va photographier, ce qu'on choisit de photographier et surtout ce qu'on choisit de montrer, c'est une manière originale de voir le monde. Donc, quand on débute à un endroit, on fait des manières classiques et puis au fur et à mesure, par des techniques de composition, ou par le fait de s'approcher, ou par le fait de s'habituer à voir le monde d'une manière un petit peu plus personnelle, de trouver
une bonne distance, une bonne manière de photographier où on va à la fois se sentir à l'aise et à la fois prendre du plaisir parce qu'on aura des photos qui seront personnelles et nouvelles. Avant de faire des photographies où on ne demande pas la permission et où on fait la photo et où éventuellement on a une scène naturelle, c'est d'abord commencer par demander la permission. Donc c'est-à-dire de prendre l'habitude, faire une série de portraits, d'aller voir les gens, de leur dire « je suis photographe » ou « je suis en train d'apprendre la photographie, est-ce que je peux faire un portrait ?»« Ah bon, pourquoi ? Comment est-ce qu'elle va être utilisée la photo ?» Et d'avoir des réponses à ça, toutes simples, et d'essayer d'être plus à l'aise avec le fait d'aller vers les gens et de demander un portrait. Une fois qu'on est plus à l'aise avec ça, une fois qu'on l'a fait une dizaine de fois, une vingtaine de fois, et qu'on a vu qu'il y a déjà pas mal de gens qui répondent favorablement à ça, et on a des portraits qui sont sympathiques, commencer la deuxième étape à aller vers les gens, et avant de demander un portrait, avant d'entrer en dialogue avec eux, commencer à faire des photos. Lever l'appareil avant de rentrer en dialogue. On fait les photos telles qu'on les a vues, la scène telle qu'on l'a vue, et quand on est repéré, parce que quand on s'approche, on est souvent repéré, et bien c'est là qu'on demande la permission de garder la photo ou tout simplement de refaire un portrait, de faire un portrait, de montrer les photos, d'expliquer la démarche, éventuellement d'envoyer les photos pour ceux qui le demandent. L'exercice que je propose, c'est essayer d'obtenir 10 refus sur une journée, sur un portrait. Et pour que les gens se rendent compte que j'ai jamais vu quelqu'un qui est revenu 10 fois, on m'a dit non. 2 fois, 3 fois, 4 fois, ça arrive sur une journée. Quelqu'un qui aurait 10 refus, c'est probablement qu'il a fait 50 portraits et qu'il est déjà beaucoup plus à l'aise avec la méthode. Et qui peut passer à l'étape d'après qui est, je commence à faire des photos, je ne demande pas la permission. Quand je suis repéré, je rentre dans le dialogue, je demande un portrait, je monte les photos et je passe à la suite qui est de demander de garder la photo. Je pense que si on veut progresser en photographie de rue, il faut d'abord travailler sur ses peurs. Et donc oui, c'est d'abord un travail sur soi. On n'a pas besoin de connaître toutes les fonctionnalités que proposent les appareils modernes. Ce qu'il faut savoir, c'est les 2-3 trucs qui vous vont bien, qui vont bien avec votre pratique. Mais en réalité, il y a 3 ou 4 modes à connaître. Bien connaître les modes semi-automatiques qui permettent de contrôler un des éléments du triangle d'exposition. La technique, il faut la connaître pour que ce ne soit pas un obstacle. Mais ça s'apprend relativement vite. La manière dont je propose de travailler en photographie de rue, c'est toujours des modes semi-automatiques parce que les scènes passent vite. Et parce que ça peut être compliqué de passer sur des zones à l'ombre, sur des zones à la lumière. Donc je trouve ça plus facile, moi, en mode semi-automatique. Et c'est très bien d'utiliser ce que permet de faire son appareil. Ce que je propose d'utiliser en photographie de rue, c'est de se mettre en priorité vitesse. Pour ne pas laisser passer un moment qui passe vite, se mettre au moins aux 250e de seconde. Votre appareil photo va gérer l'ouverture. S'il a besoin de lumière, il va ouvrir. Mais au moins, c'est quelque chose qui passe vite et qui passera qu'une fois et que vous ne pourrez pas revoir. Vous pourrez le capturer en se mettant le 50e de seconde. Ce que je propose sur un mode semi-automatique, c'est de sous-exposer d'un diaphragme sur la mesure d'exposition qui va de moins 3 à plus 3, de se mettre sur moins 1, on va dire, de manière assez basique, pour sous-exposer la photo. Mais si vous faites ça, ce qu'il faut bien faire, c'est son exposition sur les hautes lumières. Pour que ça sous-expose les ombres. Ça fait un fort contraste, ça fait des grands aplats noirs et ça crée des formes géométriques. Et on commence à composer avec ces formes géométriques toutes noires ou toutes lumineuses. Faire comme ça, ça donne des nouvelles choses et ça permet de regarder la ville assez différemment. C'est intéressant. Après, quand je suis dans la rue et quand je photographie les gens, il y a beaucoup de moments où je vais faire des portraits, où je vais parler avec les gens. Et quand je commence à parler avec les gens, je passe en priorité ouverture et j'ouvre globalement pour isoler mon sujet par rapport à l'arrière-plan et créer des flous d'arrière-plan. Il peut m'arriver aussi de passer en priorité ouverture si je fais un paysage urbain où là, je veux absolument avoir une longue profondeur de champ. Pour aller vite, priorité vitesse, 250e de seconde ou plus vite. À partir de 250 ISO ou voire 400 si vous êtes tranquille, surtout si c'est un petit peu nuageux.
Et puis comme ça, voilà, vous avez juste à penser à votre composition et à votre photo. Il y a une physicalité dans la photographie. Et cette physicalité, c'est dans la composition, particulièrement si vous êtes en photographie de rue avec une optique fixe, vous n'avez pas de zoom, c'est bon pour vous parce que vous allez être obligé de vous déplacer. Et la photographie, c'est chercher le bon angle, le bon axe, la bonne valeur de plan. La manière dont je propose de travailler en photographie de rue, c'est d'avoir plusieurs valeurs de plan sur un sujet. Quand on en a la possibilité et quand on peut travailler une scène, c'est pas toujours le cas, il y a des moments qui passent vite et on n'a parfois pas le temps de travailler plusieurs valeurs de plan. Mais quand on en a la possibilité, surtout avec si vous précomposez, hein, si vous allez à la pêche plutôt qu'à la chasse, c'est d'essayer d'avoir plusieurs valeurs de plan et de tourner autour de votre sujet. Parce que en ayant, on va dire de manière basique, un plan large, un plan moyen, un plan serré et au moins deux axes, ça va vous donner beaucoup d'options à l'édition pour choisir la photo qui fonctionne le mieux. C'est bien de gagner de l'expérience là-dessus pour se donner ses options à l'édition. De ne pas toujours être sur des plans serrés, plans serrés, plans serrés, qui sont plus faciles, entre guillemets, à composer. Et donc, si vous voulez raconter quelque chose, parfois le plan large est plus intéressant, ça arrive aussi. Donc, c'est bien d'avoir ces options-là à l'édition. Point de vue que vous prenez dans votre photographie, plongée ou contre-plongée, ou carrément en hauteur, ou carrément au sol et de grandir personnage, va avoir du sens dans la photographie. Et donc si vous écrasez, entre guillemets, vos personnages en étant tout le temps en plongée, ou des sujets qui sont au sol, de systématiquement les écraser sur vos photos, bah, ça va donner moins d'empathie par rapport à... Ça va avoir du sens, l'angle qu'on va prendre, le point de vue qu'on va donner à sa photographie. Donc, bien penser, je dirais par défaut, à minima, d'être à hauteur de votre sujet, ou si vous choisissez de donner un angle, bah, que ce soit volontaire et que ça ait du sens par rapport à votre sujet. Ça, c'est quelque chose de réel en photographie de rue, c'est que moi, il me faut déjà un petit peu de temps pour rentrer dans la zone, pour être dans ce moment où on est totalement concentré sur ses photos, on cherche des scènes, on cherche des gens, on cherche une lumière. On est en train de scanner notre environnement et on est complètement dans sa photographie. Puis on trouve quelque chose qui nous intéresse et on commence à faire des photos, on tourne autour, on interagit avec les gens, on fait des portraits. Ça consomme beaucoup d'énergie. Moi, je suis complètement dédié à la photo et je sais que j'arrive à me mettre dans la zone pendant... une heure et demie, deux heures, mais après, il faut des moments de pause. C'est en tout cas quasiment impossible d'être 8 heures en train de produire et d'être dans cette zone. Si vous photographiez autour de chez vous, faites-vous des sessions de 1h30, 2h. Prenez le temps de vous mettre dans la pratique, de rentrer dans cette recherche et dans cette concentration. Et puis, mais de toute façon, vous allez le constater, au bout d'une heure et demie, 2 heures, vous aurez envie de regarder un peu les photos, de vous poser, prendre un café. Et puis, voilà, ça peut être bien de se faire des sessions d'une heure et demie, 2 heures. L'instant est plus important que la photographie. En photographie de rue, c'est aussi être dans l'instant, mais c'est au croisement de plusieurs choses. C'est à la fois une curiosité, une exploration, et essayer de comprendre ce qui se passe. De quoi s'agit-il, ce que j'essaie de photographier ou ce que j'ai vu qui m'intéresse. Et donc, voilà, cette curiosité, elle est passionnante, d'abord à vivre. Cette concentration où on est complètement présent, bah c'est une ouverture complète sur ce qui se passe autour de nous. Et c'est en ça aussi que ça peut même être, pour certains, en tout cas pour moi ça l'est, méditatif. Il y a des moments de présence, on regarde, et puis hop, on relâche, on passe à autre chose, l'esprit s'envole un petit peu, et puis hop, quelque chose qui nous interpelle,
et on va faire des photos. On essaye, en tout cas, d'en faire des photos. Et c'est extrêmement agréable de se laisser complètement porter par le hasard ou le rythme de la ville. Ce qui est passionnant en photographie de rue, c'est d'avoir des photos qui retranscrivent bien ce qu'est le lieu où on est. Pas du tout obligatoire d'avoir un objectif quand on va faire des photos dans la rue. Ça peut être bien pour progresser de se donner des objectifs sur une sortie ou sur une série de sorties avec un type de photographie particulière ou avec un genre photographique qui est plus pratiqué ou alors avec un sujet même. J'ai passé des dizaines et dizaines d'heures d'exploration à New York, à Paris ou à Salvador où je vis simplement pour aller voir ce qui se passe. Ah non, non, il y a aucun prérequis pour aller dans la rue, à part des bons yeux, une bonne tête, un bon état d'esprit et une bonne paire de chaussures. La photographie de rue, ça commence en bas de chez toi. Si vous faites l'exercice et que tu regardes en bas de chez toi et que tu commences à regarder, si je devais en faire des photos, qu'est-ce qui se passerait? Tu vas voir ton environnement qui t'est extrêmement familier, que tu ne regardes plus parce qu'il t'est trop familier, complètement différemment. Si tu te forces à chercher des photos dans un endroit que tu connais extrêmement bien, tu vas poser un regard différent et tu vas découvrir des nouvelles choses. Mais il y a un truc fondamental. Si tu n'es pas capable de faire des photos en bas de chez toi ou dans ta rue, ne t'attends pas à... Par miracle, tu vas faire des bonnes photos au bout du monde, à New York ou ailleurs. Hein, c'est aussi ça qui est fabuleux en photographie de rue. C'est que tu peux pratiquer en bas de chez toi, où que tu sois. Même si ce n'est pas une grande ville, même si on vit à la campagne, la pratique de la photographie de rue, c'est en réalité la pratique de la curiosité et de l'exploration. On photographie ce qu'on vit, on photographie ce qu'on voit, mais on voit là où on est et notre manière de vivre ou d'explorer va se retranscrire dans la photographie. L'appareil photo ou la photographie en général, c'est une licence pour vivre des choses, pour aller voir des gens, leur demander d'où ils viennent, ce qu'ils font, et puis en faire des photos et essayer de bien le retranscrire. Ça fait vivre des expériences incroyables et ça ouvre des possibilités quasiment infinies en fonction des personnes qui sont rencontrées. C'était la même chose à Central Park. Je me suis intéressé à cette personne uniquement parce qu'il était assis pas comme les autres. C'était une curiosité. Il avait une jolie veste blanche, je l'ai vu de loin. Puis on s'est approché, on a échangé pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et voilà, et c'était d'abord un échange. On en a fait des photos, mais il n'y a aucune photo qui pourra retranscrire complètement l'échange qu'on a vécu et ce qu'on a découvert de cette personne. Ce que ça apporte de travailler sa photographie de cette manière-là, c'est une expérience qui est radicalement différente par rapport à uniquement faire du paysage, de l'architecture. On se sent beaucoup plus en connexion avec les gens, avec le lieu, avec l'énergie, le rythme de la ville, si on pratique la photographie comme ça, évidemment. Il y a des éléments qui sont purement objectifs. On est capable de dire, à partir de certains éléments, de composition, de lumière, de positionnement du sujet ou de langage du corps si c'est un personnage, qui font qu'une photo est meilleure qu'une autre. Et pourtant, il y a aussi un élément qui est insaisissable, qui est même totalement indescriptible. On peut mettre des mots dessus, mais c'est très difficile à saisir avec des mots ou à comprendre. Et c'est ce que Suzanne Meslas appelle le point de connexion émotionnelle. Ça va nous parler. Alors, il y a des éléments de symbolique. Ce que représente la photo, ce que contient la photo. Et en fonction de notre culture, on est plus ou moins sensible à des éléments de symbolique. Et puis, il y a aussi notre personnalité ou voilà, quelque chose qui nous touche spécifiquement. C'est ce que Roland Barthes appelle le punctum, ce qui me point. Plus vous allez travailler, plus il faudra aller sur des choses qu'on ressent et s'affranchir des conventions. Mais de toujours revenir à quelque chose de très émotionnel dans sa pratique et également à l'édition.
Est-ce qu'il faut analyser tout ça quand on est dans la rue? C'est impossible. Mon conseil, c'est surtout si vous débutez en photographie, commencez par l'intuitif. Commencez par observer, regarder, marcher, aller voir des choses. Et puis, quand vous voyez quelque chose qui vous intéresse, prenez-le tout de suite en photo, sans penser au cadre, sans penser à la composition, même à la technique. Utilisez des réglages automatiques et prenez d'abord, saisissez ce que vous avez vu. Et ensuite, on rentre dans une phase un petit peu plus analytique. Qu'est-ce qui se passe? Qui est la personne qui m'intéresse? Qui est en train de partir? Faut que je le suive? Ou est-ce que c'est le cadre que j'ai trouvé joli, la lumière? J'attends qu'il y ait autre chose qui se passe. On rentre dans quelque chose d'un petit peu plus analytique dans la pratique. Mais les moments passent vite. Le bon moment passe vite. La bonne attitude du visage ou d'une scène, c'est extrêmement furtif. Et donc, on ne peut pas être analytique. Il faut garder cette intuition et même se laisser porter par ce qu'on ressent sans rien analyser et y aller. En revanche, quand on édite ses photos, là, on rentre dans l'analyse. Qu'est-ce qui fait une bonne photo? Quel est l'équilibre de la photo? Regardez les éléments qui sont dans les coins. Est-ce qu'il y a des éléments qui perturbent la lecture de la photo? Donc là, ça devient très analytique. Et c'est là que le travail sur l'ordinateur, chambre noire à l'époque, a son effet. Hein, l'analytique devient utile dans la rue, mais uniquement à l'intuition, parce que on sent mieux les choses si on a bien travaillé avant. Les bonnes photos dans la rue, on en trouve beaucoup moins. En réalité, c'est partout. C'est très difficile de trouver une bonne photo. Si on en a une de bonne sur une journée de photographie de rue, c'est bien. Mais en réalité, au fil du temps, vous vous rendrez compte que si on en a une de bonne dans le mois, quand je dis une de bonne, c'est une qu'on garde longtemps, qu'on a envie de revoir, qui est exceptionnelle, qui a cette intensité. C'est James Joyce qui parle de cet arrêt esthétique. C'est esthétique, donc il y a des éléments formels qui participent à ça, et c'est un arrêt esthétique parce que c'est... Oh. Et au final, au fil du temps, c'est très rare. C'est très rare. Par la pratique, avec des années de pratique, on est dehors, surtout pour faire des photos mauvaises, en fait. Pour espérer, de temps en temps, parce que ça s'est bien mis en place, et parce qu'on a bien bossé aussi, et parce qu'on l'a cherché. Mais c'est rare, une bonne photo. Mais la frustration, elle est nécessaire. C'est cette frustration qui devient une exigence, et qui permet d'aller chercher encore une meilleure photo. Intéressé par la lumière, et en fait mes balades dans la ville se font en fonction de la lumière. Je suis le soleil, entre guillemets, je suis vers les endroits vers lequel le soleil est en train de frapper sur un building, sur un coin de rue, sur un élément esthétique. Et une fois que je suis arrivé là, que j'ai fait mes photos, je regarde un petit peu au loin où c'est qu'il y a un autre jeu de lumière, et j'y vais. Et donc c'est comme ça que je me fais mon itinéraire. Il n'y a pas d'itinéraire prévu, c'est vraiment au feeling. Quand il n'y a pas de soleil, alors là, je marche vraiment peut-être aux idées, en fait. Je me dis bien, il va falloir être beaucoup plus vigilant aux scènes qui se passent parce qu'il n'y a pas cet atout lumière en plus, quoi. Là, c'est vraiment toi, ton appareil et puis les scènes qui vont se passer. Alors que quand il y a une belle lumière, tu peux jouer vraiment sur l'esthétique et tout ça. Mais c'est vrai que moi, l'endroit où je suis le mieux pour faire de la photo, c'est Midtown. Parce qu'il y a une énergie incroyable, il y a plein de gens qui bossent, il y a plein de gens qui... Donc en gros, les gens s'en foutent, en fait. Ils font pas attention au regard des autres, et ça c'est vachement marqué dans New York. Et puis moi, c'est vraiment là que je me régale avec en fait les reflets des buildings. Et quand il fait beau, c'est un studio, en fait. Moi, j'aime bien quand il y a un peu de vie, quand ça rentre un peu partout, quand il y a des bras tendus. Celle qui est en couverture du livre, déjà, c'est vraiment un bon exemple de la photo de rue et ce que c'est, en fait. Déjà, parce qu'il y a plein de trucs qui se passent.
Et surtout parce que j'ai travaillé la scène pendant 25 minutes, je crois. Et surtout, moi, je suis pas du tout patient à la base. Donc, quand j'ai commencé la photo de rue, à aucun moment, je restais à un endroit. Je marchais, je prenais des photos de ce que je croisais. J'ai continué longtemps comme ça. Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à me rendre compte que tes photos gagnent en qualité quand tu prends le temps de les composer. Donc, c'est le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est de prendre son temps de composer son image. Les premiers photographes qui m'ont vraiment scotché, c'était Richard Sandler, donc un photographe qui a fait New York en noir et blanc. J'aime beaucoup Harry Gruyère. Alex Webb. Joël Meyerowitz. Philippe Montgomery en noir et blanc, c'est du photo-documentaire sur l'état des États-Unis. Et il y a un photographe que j'adore par-dessus tout, mais on n'appelle pas ça de la photo de rue spécialement. C'est Joel Sternfeld. C'est un photographe américain qui vraiment fait, je ne sais pas comment on appelle ça, fait de la topographie un peu, qui prend vraiment le temps de composer des images sur le continent américain et de montrer ce que c'est les États-Unis sans être vraiment dans la jungle de la ville. C'est vraiment incroyable. Déjà avoir des bonnes chaussures et surtout être patient et être opiniâtre, en fait, ne pas se décourager, parce qu'il y a des jours où on fait rien, en fait. On marche et on sort avec aucune photo potable. Et c'est pas parce qu'on sort avec aucune photo convenable qu'il faut se dire bon bah celle-là elle est pas si mal, en fait. Faut pas se forcer à montrer une image si on pense qu'elle vaut pas le coup de la montrer. Donc prenez votre temps. C'est pas une course de montrer les images. Ce qu'il faut, c'est montrer les bonnes images. Et c'est ce qui peut faire aussi la différence des fois entre des photographes qui sont super connus et des photographes pas connus, parce qu'en fait ils montrent un peu trop de photos. Alors que les photographes qui sont très connus, ils ne nous montrent pas leur raté, en fait. Ça, c'est un élément important. Bien choisir ce qu'on montre. Parce que pour moi, c'est ça, en fait. La photo de rue, c'est vraiment capturer, montrer aux gens ce qu'ils ne prennent pas le temps de regarder. Chacun fait les choix de ce qu'il va regarder, en fait. Et donc, moi, je regarde, quand je marche dans la rue, je regarde tout le temps les gens. Quand je marche dans une direction, je regarde 50 mètres plus loin. Pour commencer à voir un petit peu les tenues des gens, pour essayer de commencer à imaginer quelle couleur, quel ton, quel motif va pouvoir aller avec une vitrine que après je regarde 50 mètres devant, après je regarde un petit peu sur les côtés le décor pour voir, en fait, pour être prêt à composer une fois que je serai à hauteur de la personne. En gros, j'essaie de calculer à quel moment je vais croiser la personne pour savoir si ça va être intéressant. Le décor plus la personne, si ça va être intéressant de les matcher ensemble. C'est Jean-Claude Van Damme qui dirait aware, vraiment d'être open à tout ce qu'on va te proposer, quoi. D'observer un peu un personnage qui va valoir le coup. Et des fois, ça va être, moi, si j'ai un personnage qui vaut le coup, je vais le suivre pendant 100 mètres ou 500 mètres. Des fois, vraiment, quand je sens bien quelqu'un, je peux le suivre 20 minutes si jamais il faut le suivre, quoi. La dernière photo de mon livre, c'est deux bonnes sœurs. Je les ai suivies pendant trois blocs. Et ça m'a fait la photo de fin de mon livre. Donc ça vaut le coup, en fait. Faites confiance à votre instinct et essayez d'obtenir ce que vous avez vu. Parce que si vous l'avez pensé, c'est qu'il y a une possibilité que ça existe, quoi.